Alors le truc, c'est que le pyro, je crois qu'on peut le tuer. Et on peut ne rien. De rien craindre. Je crois. Va être un peu chaud quand même. 26 HP. Nous faudra un critique à 10 quand même. Et après, on devrait être bon. Ok, go. Alors par contre, il va foutre le feu, donc ça va foutre un peu la merde. Oh, on peut monter très haut là parce qu'il y a il y a 3 immeubles. En fait, ça c'est réglé par rapport aux immeubles de la zone, je crois. Parce que normalement, on peut pas aller aussi haut. Donc là, on est à la même hauteur, après on est plus haut, etc., etc. Waouh. Elle va pas se tuer quand elle va tomber? Non, ça va. Bormine. Ah, j'aurais dû l'immuniser contre le feu. J'ai merdé. Fait chier. J'aurais dû lui mettre la tenue du d'anti-feu. Chaque fois je fais une petite erreur, hein. Chaque fois je fais un petit oubli, un petit truc qui passe pas. Chaque fois. Hein. Quelqu'un, quelque chose qui merde. Ok, donc là on a deux chasseurs, le chef et le tank. Ah, donc c'est parti. Okay, est-ce qu'on a des points à utiliser? Ça. On va prendre le crit avec nous. Toi, tu vas prendre ça. Contre les charges, là, on n'a pas vraiment besoin. Il y a 4 HP. Est-ce qu'on a mieux? Il y a 4 HP, 3 de défense. On va prendre 4 HP et 3 de défense du coup. Parce que les charges, on risque rien. C'est critique surtout. En théorie, on devrait pas avoir besoin de se soigner. C'est parti. Alors. Oh. Tu vas te mettre là. Toi, t'as quoi comme habilité? Ah oui, tu peux voler, te soigner. Je pense pas qu'on ait vraiment besoin qu'elle se soigne. Je sais pas si elle est à la portée là. Faut qu'on lui change le casque.
3 d'armure. Il n'y a pas de pyro, donc ça va. Juste que je rajoute un peu d'armure, en fait. Ok, je vais voir un peu. Alors, le truc, ça va être... de prendre le chasseur. De l'envoyer vers le tank, comme d'habitude. Et après, on finit les autres. Hors de portée. Ah, c'est la merde. Fais chier. Je... Je sais pas où la mettre. Quoique, on va tanker là. Franchement, on va camper. On va camper dans cette zone, donc... Ouais, non, on va la rapprocher quand même. On va la rapprocher du groupe. Par contre, faut attendre que le chef parte. Faut absolument attendre que le chef parte loin. Le plus loin possible, en fait. Vers le robot, en gros. Faudrait que le chasseur revienne par contre. Ça y est, elle est au max. Ok, go. Allez. Yes. Oh, pas d'animation encore. Un peu une merdouille. Je l'ai pas redémarré le jeu depuis? Je sais pas. Parce que des fois je fais plusieurs épisodes en fait d'affilée. Allez. Bien. Yes, très très bien. Pour ça qu'encore une fois Pharo est vraiment bien pété. Il va tirer partout. La merde. On va se mettre là. My name, she's white. It's Pharaoh. What do you think about that? Des fois, ça fait rater alors que ça touche, c'est bizarre. Ok, il y a le robot qui arrive. Alors, le robot joue après nous. Là, il est en train de... Elle a pas bougé donc elle va se faire exploser après. Qu'est-ce qu'il fait le tank? Il fait super mal le tank, hein. Il a une super arme.
Ok, très bien. Donc faut vraiment absolument le tuer. Il est mort. 2 HP, putain. Foutage de gueule. C'est le robot. Aim for the fox. I'm gonna smash him. Ah, il tire sur le robot. Cool. Ah, énorme. C'est énorme. Lui, il est mort le prochain tour, ça va. Magnus va un peu s'avancer. Bien, bien, bien. Il faut faire attention parce que le robot peut quand même nous tirer dessus, hein. Faut pas trop s'avancer. Hein. Là, il tire un peu sur ce qui est le plus proche. Mais si l'envie lui vient, il peut complètement les ignorer et aller sur nous. Hein. Donc faire attention à ça. I'm the hero, you're the zero. Dash from me. Okay, très bien. Oh là là, il va ouf. Il est mort là. Ouh, bien joué. Oh, c'est bien parce que si elle de. Si Mimir est détruit, il va exploser. Donc ça nous aiderait. Je crois que ça détruit Mimir là. Et normalement il devrait exploser. Oh! Ça lui a rien fait? Se reculer alors. Pas de munitions. On a une belle vue quand même, non? Il a 1 HP le truc. I am the beautiful weapon. Come get some. Ouh, il arrive bien. Merde! Il va faire quoi? Qu'elle a rien fait. Attention! Ça va. Pas de munitions. C'est un problème. On a toujours le pistolet.
On va voir. Là, ça l'a touché aussi. D'accord. Ok, on a... Ce qu'on va faire, c'est ça. Très bien. Give up now and I'll go easy on ya. Oh putain. Et oh, franchement, c'était parfait de. Oh la vache. Ah oui, là tu. Oui, là tu fous la merde là. Hein. Merci. Parce que là, j'allais le tuer lui. Et après, on finissait l'autre qui était par terre. Et voilà. Eh ben. C'était pas du petit boulot, hein. Vous avez vu ça un peu. Mais cette zone est vraiment bien à faire parce que vous allez voir ça. Après, franchement, le robot c'était pas le truc dangereux parce qu'on aurait pu faire du EMP et tout ça, et voilà. Mais du coup, voilà, ça rend les choses bien parce que les autres ils tiraient sur le robot. Attendez, on a tout pris. C'est ça qu'on veut. Artefact récupéré, El Generator. Objet en forme de dodécaèdre bourdonnant d'énergie électrique au potentiel d'alimenter un village entier. Le mot El Generator sont inscrits au-dessus. 4 plus 4. Vous avez compris pourquoi? C'était la grosse boule géante en fait, le truc, les générateurs énormes quoi. Plus 4, c'est pour ça qu'on le voulait. C'est pour ça. Mais en théorie, la plupart du temps, je conseillerais déjà de le faire plus tard, quand même, cet emplacement. Parce que c'est assez dur, on a vu quand même, c'est assez dur. On n'a plus qu'un HP. Elle, ça a bien marché. Vous avez vu que les ailes de papillon, ça a bien marché. Ça, c'est prêt, ça, c'est prêt. Tout est prêt, lui... Il n'y a que ça. Et il nous faut encore une grenade. Mais les grenades sont utiles. Les grenades sont très utiles quand même. Alors. On va aller reparler au mec au sous-sol. Je sais pas si on peut lui reparler. Je sais pas si c'est fini ou pas sa quête. Parce que quand je l'ai fait sur Twitch, je suis pas retourné lui parler en fait. Donc on va juste descendre vite fait et lui parler. Parce que je sais qu'il était toujours là, moi. Et puis après, on avance. Donc là, on a 5 artefacts. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir avoir les 10% sur les vivants, les humains, tout ce qui est ghoul et tout ça. Les humanoïdes. Et on va avoir 10% aussi sur les robots. Déjà, on va pouvoir débloquer ça direct. Et franchement, on a tout, quoi. On a vraiment les choses les plus importantes qu'il nous faut. Après, le reste, c'est du... C'est juste du surplus. Je sais pas si ça fait quelque chose de lui reparler. Je sais même pas si on peut. Non, on peut pas. Voilà. Ça, c'est une bonne, très très bonne chose de fait. Well, look what the Zone Wolf dragged in. Good to see you. Voilà. Maintenant, on a gros dur, 2 tours pour l'hémorragie, on a l'infirmier. Alors, infirmier, comme d'habitude, comme j'ai dit, on l'utilisera pas. C'est vraiment le kit de soins pendant le combat, c'est vraiment le truc qu'on veut pas utiliser. Mais voilà, sinon ça fera 3 HP en plus, donc ça fait 4 et 3. Donc, voilà. Donc on va prendre mulet à la place.
Comme ça, on peut transporter plus de grenades. On débloque le troisième emplacement. On va voir si elle a pas des trucs avant. J'ai envie de prendre des grenades parce qu'on en a pas. Honnêtement. Mais encore une fois, vu que la ferraille c'est limité. C'est un peu emmerdant, vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu emmerdant. Don't just stand there. You need a fix. En tout cas, on a 100. Honnêtement, j'ai envie de les garder pour une arme qu'on devrait récupérer dans pas longtemps. Je sais même pas pourquoi on l'a pas déjà. Je me rappelle plus où on la trouve. Ah, mais on va la garder pour nous. On va garder les pièces. Et en fait, c'est la prochaine arme qu'on récupère, elle est vachement bien. C'est un truc qui tire très, qui est puissant et qui fait mal et qui tire de très loin, etc. On va aller là. Et je préfère en fait avoir cette arme quand je fais par exemple le combat qu'on vient de faire. Few people from our settlement came this far south once. They just didn't come back. Some say their bodies were turned into plants and eaten by evil wizards. This place gives me the creeps. Donc là c'est une secte. Donc on va avoir des prêtres, un mec comme ça là. Donc faudra faire gaffe. Tiens, maintenant que j'y pense, je crois qu'on avait dans une zone, genre. Parce que je me rappelle l'avoir fait sur. Sur Twitch. Maison aux ossements. Je crois que. On a des chiens, on les a laissés, les chiens, il y avait un coffre à récupérer. Donc on pourra aller les faire. Ils sont pas très puissants maintenant, mais dans un sens, il y a deux ou trois chiens, et vu qu'ils sont faciles à tuer, c'est mieux de les garder de côté si jamais on doit récupérer des habilités. Vous voyez ce que je veux dire? Ugly thing, look at these teeth. Why on earth would they build such a thing? Arme à feu, très bien. Faudrait vraiment que je récupère l'arme. Je sais vraiment plus du tout où je les récupère. Je crois que c'est ici peut-être. Ou alors c'est autre part. Je me rappelle plus. C'est vrai que ça nous aiderait vachement. En plus là on peut directement la monter niveau 3. Hold on. Ghouls are watching that gate. We need to be sneaky. I want to party, man. I don't want to work for the Noah sect. Why are we doing this? That's what you say. The agents are watching you. Hey? So shut up. Get back to work. Ah, il est en train de partir. On va pouvoir le récupérer. Get this through your heads. The sacred mushrooms are not to be eaten. They can be used only for holy rituals. Ok, on a tout fait. Enfin, on a fait cet endroit-là, donc on va pouvoir aller dans le bâtiment principal. Alors là, ici, on n'a pas besoin. C'est encore une zone annexe. On n'a vraiment pas besoin de la faire. Dans mes souvenirs, elle est très simple. C'est-à-dire que... Sweet, delicious, grog. Not here. Et je crois que. May I introduce you to the grog den? I told stories about this place in my settlement. It was a big hall where the ancients drank their magic grog and sang songs about the sun. I can use some magic grog, you know what I mean? Give me more of that grog. I want a party till my head goes boom! Enough of that grog. We need to baptize the soul with old man. We need to make more firebombs now. We've got a mountain of firebombs over there. You want to... Ah, distributeur de grog.
Pareil conçu pour assurer une distribution, devrait appuyer sur le bon endroit de l'ocre qui sortira. Oh la vache. Kettle's full of grog. I'd like to take a swim in one. Smells like grog, tastes like metal. I'm puzzled to say the least. Ah, il y a un robot, on va se le faire. Toi, t'as tout. Yes. Qu'est-ce que je disais, moi? Ils arrêtaient pas de parler, maintenant je suis complètement perdu. Ah. Ouais, je voulais dire que zone complètement optionnelle, et si vous prenez votre temps, en théorie, vous pouvez tout faire caché. Je viens de me rendre compte que j'ai pas fait ça. J'ai pas fait le coup de circuit, c'était très con ce que je viens de faire. Ouh la vache, j'ai eu peur. Ah putain. Parce que là sinon ils étaient dans la merde. Hein. Très bien. On a toujours pas utilisé de trousse de secours, hein. Je tiens à préciser. Mais ouais, dans mes souvenirs de ce que j'avais testé sur Twitch, on peut faire tout en une fois. Et après, il resterait que le... Enfin, seul, je veux dire, genre les prendre un par un. Après, il resterait que le chef. Ou alors il en resterait genre un ou deux peut-être, et on le fait avec la télépathie. Ah, je crois que c'est là qu'elle est l'arme. Je crois que c'est là qu'elle est l'arme. L'autre il est parti. Très bien. J'avais un doute sur les dégâts, mais non, on est bon. Oh, avance-toi. Enough. Voilà, très bien. Et elle est bloquée, c'est cool. You fire-loading pyros, listen to me. Don't light those molotovs near the grog. We'll all go kaboom. Yeah, cool. Taste the fumes, cool. Stay put. Gonna light the flame. Break up. Regroup. Yeah! I'm telling you, keep the fires in your pants or I'll smash your brains in. Wait here. I tell them I don't work over with pyro here. Ghouls and they give me pyro ghouls. Jacked up hotheads. Paper. Like the stuff in Hammond's diary. J'essaye de la faire téléporter. Split up. Merci. Get your asses over here. Oh merde.
Bon, ça va. J'aime bien, j'aime beaucoup la voix des ghouls féminines. Ils sont marrants. Does that hurt? Ouais, très bien. Voilà, 55%. Putain. Give up now and I'll go easy on ya. Yes! C'est franchement abusé, elle a 55% de chance naturellement, grâce aux, à l'arme. Enfin, à ses habilités, pardon. Et l'arme, putain, on l'a bien stuffé. Bullseye. Ah oui, par contre, faut qu'on mange. Chef pirate, vous voyez qu'elle est 24, pas beaucoup de, d'HP quand même. Pirate équitable, local exclusif, petite brasserie bio, vegan, à l'ambiance post-punk des années 1980. Ah, oh, je crois que c'est ça là. Yes, bingo, le Elysium LR678. Elle est abusée cette arme.